Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo pour vous donner rendez-vous le 13 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Nous y serons. Donc, les fans me rejoignent, j'y serai avec mes camarades, n'est-ce pas, et tous ceux qui me connaissent. Voilà. Le 13, nous serons à l'ambassade et personne ne va empêcher la dynamique dans laquelle nous sommes. Cette petite vidéo, c'est pour galvaniser tous mes camarades, pour leur dire que j'y suis, j'y serai. Nous, n'est-ce pas, j'y serons. Le 13, on a changé les paradigmes en Côte d'Ivoire, rejeter les institutions, n'est-ce pas, inféodées, rejeter, n'est-ce pas, des magistrats corrompus qui puissent agir le droit, n'est-ce pas, de condamner d'une manière inique, n'est-ce pas, des personnalités politiques. Et donc, le 13, je serai à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, si Dieu le veut, et nous allons communier ensemble. Il n'y aura rien. Rien ne va se passer. Voilà. Donc, je vous invite tous à me rejoindre. Le combat se passe dans plusieurs dimensions et à travers plusieurs pans. Ne pensez pas que M. Ouattara est devenu le sacro-saint. Il n'est jamais saint. Le Machiavel, le despote, Dramane Ouattara n'a jamais été ainsi. Ne pensez pas que, je l'ai dit encore une fois, publiquement, qu'un appel téléphonique à M. Guillaume Soro et M. Ouattara va, n'est-ce pas, doucher, n'est-ce pas, le combat de celui de Paris. Jamais ce combat sera douché. Jamais ce combat sera arrêté. Parce que M. Ouattara et M. Guillaume Soro peuvent passer des coups de fil entre eux. Ce qui est normal, n'est-ce pas, entre, comment dirais-je, personnalité ou bien entre. Comment dirais-je, être humain. Mais le reste là, non, je ne sais pas ça. Non, j'ai un autre combat politique. Dans les 13, on est ensemble. Les frappeurs, B52, Goumi. Ne vous laissez pas distraire avec les, n'est-ce pas, les analyses bidons et autres de réconciliation, n'est-ce pas, je ne sais pas, ça vient d'où. Réconcilier avec qui? Non, on ne peut pas se réconcilier, n'est pas avec un despote, avec un dictateur. Non, on le combat. On peut parler avec un dictateur, mais on combat un dictateur. Et idéologiquement, nous le combattons. Nous sommes à notre place. Rendez-vous le 13 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. B52, toujours.